On retrouve donc notre expert David Derry. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Il s'agit du Smart Portfolio ou du portefeuille intelligent. Et votre choix s'est porté sur Horseman, un portefeuille composé des quatre principales capitalisations boursières, c'est ça? Exactement. Justement, on vient de parler de Microsoft et de Facebook. Hein. Microsoft pour leurs bons résultats et pour le fait qu'ils deviennent la plus grosse entreprise au monde avec devant Apple. Et puis Facebook pour le fait qu'ils aient changé de nom en Meta. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, on propose chez eToro, mais ceux qui regardent l'émission maintenant doivent le savoir, différents portefeuilles justement thématiques qui vont permettre d'investir dans une thématique bien précise du marché. Donc ça peut être, il y a différentes thématiques. Alors si vous allez dans l'onglet découvrir et qu'après vous regardez les portefeuilles intelligents, si vous faites tout afficher, vous allez avoir la liste des portefeuilles et vous allez voir qu'on propose différentes stratégies. Donc que ce soit des stratégies basées sur les crypto-monnaies, que ce soit des stratégies basées sur les énergies renouvelables, les grosses banques, les sociétés tech, les sociétés du cannabis, la cybersécurité. On va vraiment trouver toute une panoplie de thèmes comme ça. Et puis on va trouver aussi des portefeuilles comme Forrestman. Donc Forrestman, c'est un portefeuille qui va permettre aux gens d'investir dans ce qu'on appelle les GAFA. Donc on va retrouver dans ce portefeuille les quatre plus grosses entreprises au monde, qui sont Google, Apple, Amazon et Microsoft, répartis de manière plus ou moins pareil, parce qu'au début, chaque portefeuille avait 25% justement d'alloué. Et puis là, on voit qu'avec le temps, la valeur a plus ou moins évolué. Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que le portefeuille a été ouvert, la plupart des positions ont été ouvertes justement le 6 janvier, donc en début d'année. Et là, vous allez pouvoir voir les performances justement depuis cette date. Donc là, on voit que celui qui performe le mieux depuis le début de l'année parmi les GAFAM, c'est Google avec une hausse de 66% sur ce portefeuille. Et c'est une stratégie assez intéressante. Donc déjà, parce que les quatre plus grosses sociétés au monde, en plus de verser du dividende et de croître de façon assez stable, pas trop volatile, ça peut être un investissement assez intéressant pour les personnes. Là, on le voit que justement, si on regarde les stats, on voit que sur ces 3 dernières années, bah, les investisseurs qu'auraient investi dans le Forrestman ne seraient pas déçus, hein, parce qu'en 2019, ils réalisaient 47,98%, 56% en 2020. Et puis là, on est pour le moment en train de réaliser 31% sur cette année, toujours avec un drawdown, donc un risque assez maîtrisé. Parce que si on regarde le risque, par exemple, sur ce portefeuille, on est sur un risque 4, avec un drawdown, donc qui est la perte maximale acceptée par la position, qui est de 8,86%. Donc on voit que sur le ratio risque-rendement, hein, avec un risque, on peut dire, de 8,86% à l'année et un rendement de 30%, on voit que c'est quand même un profil risque-rendement assez intéressant. Alors bien évidemment, on rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais ça reste quand même un portefeuille assez intéressant pour suivre en tout cas les quatre plus grosses sociétés les quatre plus grosses valorisations dans le monde, et puis comparer aussi ces quatre plus grosses valorisations parfois avec d'autres secteurs ou avec d'autres entreprises. Au moins là, ils pourront avoir une visibilité directe et savoir combien les quatre plus grosses sociétés ont performé depuis le début de l'année, et après se faire une idée par rapport à ce portefeuille. Donc pour tous ceux qui souhaitent investir sur le Forrestman, l'investissement minimum, il est de 1 000 $, et le portefeuille est accessible et disponible chez eToro.